Eh bien, nous nous retrouvons donc pour l'épisode 9 de Décision médiévale. Pour moi, c'est le lendemain. Et je ne pourrai tourner qu'un seul épisode là aujourd'hui, malheureusement. Hein, je vais être assez occupé pendant les prochains jours. Donc, on y retourne. Donc, on devait libérer. Alors, on en était où? Ah oui, alors soit on améliorait cette tour-là, soit on commençait les mines. Ici, on en est où? Ah oui, ici, la menace diminue. Ici, elle est au minimum. Et ici, elle est toujours en négatif. On va laisser cette zone-là se réduire d'elle-même et on va se concentrer sur celle-ci. On va améliorer la mine. Et puis, normalement, quand la mine sera terminée, eh ben là. Normalement, la zone sera libérée. Ouh, cool ça! J'aime quand on me donne ça dès le départ. Voilà, alors tout de suite, hein, voilà, j'ai redémarré le jeu évidemment depuis hier, hein, donc c'est beaucoup plus stable au niveau de la souris. Cool. Donc de temps en temps, faut relancer le jeu, hein. Quand on joue pendant plusieurs heures, et ben il faut au bout d'un moment. Et je pense que c'est fait exprès. Je pense justement que c'est fait exprès dans le but justement, bah, vu que c'est un jeu qui est quand même relativement addictif, je pense que c'est fait exprès justement pour qu'au bout d'un moment le joueur se dise bon bah j'arrête. Donc non, pas annulé. Donc je me demande si c'est pas fait exprès. Et dans un sens tant mieux. Si c'est dans ce sens-là, tant mieux. C'est vrai que n'oubliez pas de faire une pause toutes les 2 heures de jeu vidéo. C'est surtout si vous avez des problèmes de santé. Je connais des gens épileptiques, hein. C'est pas marrant. Enfin, on devient pas épileptique, hein. C'est normalement il y a une part de génétique, hein. Mais quand même, au bout de 2 heures de jeu, normalement, faites une pause, quoi. Moi, c'est vrai que je joue habituellement parfois 4 heures d'affilée, c'est pas forcément très bon. Comme on dit, faites ce que je dis, pas ce que je fais. Et si je me concentrais pour pas claquer, ça serait aussi cool. Les gars, ils sont. Alors j'ai vu qu'il y en avait un là-bas. Je l'ai pas récupéré, mais je vais le chercher. J'ai plus de souffle. Et j'ai entendu qu'un troll avait débarqué. Alors toi, je sais pas ce que tu vas te bloquer. Alors suis-moi au pas. Là-bas, il y en a un. Je vais aller le chercher. Voilà. Et le troisième doit être dans la zone là-bas. Donc là-bas, il y a un troll. On va essayer d'empoisonner le troll. Ah, je l'ai pas eu. Voilà, je l'ai eu là. Il y a le troll fou, donc ça c'est cool. Est-ce que j'ai un explosif? Non. Ok. Bon, alors, juste, hop, l'épée, je bloque. Non, allez, hop. Voilà, c'est ça que je voulais. Voilà, on détruit la barricade et on va chercher les deux gars. On reprend l'arbalète.
Il y a le troll qui débarque. Oh. J'ai un mec qui reste. Ah non, ouais, d'accord, ok, il y avait des soldats ici, mais bon. Pas d'une très grande utilité, les mecs. Ok, allez, on se barre. Ah oui, ok, oui. Et puis là, évidemment. Alors, on va retourner juste là-bas le temps que tout le monde sorte de la mine. Parce que j'aime bien les avoir tous dans le tas plutôt que de les démolir chacun à leur tour, quoi. Puis ici, on peut farmer un petit peu. Alors, autant en profiter. Ok. Et là, on va pouvoir faire un petit carnage. Si le jeu nous le permet. Cette action de ouf. Allez, dépêche-toi. Voilà. Ok, et ben ça c'est une bonne mission et on a gagné 5000 là-dessus. C'est cool. Et puis oui, au niveau de mon rhume et de ma gorge, hein, je vous rassure tout de suite, ça passe. Voilà, comme quoi, voilà, c'était une histoire de, ouais, de 4-5 jours et puis c'est réglé. Juste une seconde. Quand je dis ça, bien sûr, il faut que je tousse. Alors. Ok, on va laisser la menace augmenter là. C'est pas dramatique. Ça, ouais, c'est pas dramatique. Ici, on va continuer. On va continuer. Donc c'est juste une défense de zone ici. C'est pas. J'avais pas vu le scorpion. Mais on va éviter. Ok. Il m'a éjecté du scorpion, mais ça fait rien. Allez, c'est parti. Bon, 2500 sur celle-là. Mais au moins, on a amélioré la mine. Attendez, excusez-moi, j'ai. Excusez-moi, j'avais le micro, je sais pas qui. Enfin, le. Si vous voulez, j'ai un micro, en fait c'est un casque micro et j'ai pas le casque sur les oreilles, je suis autour du cou.
Et je sais pas, la grosse oreillette en fait du casque, et ben, m'appuie un petit peu sur la glotte. Donc voilà, ça me dérangeait un peu. Parce que j'avais simplement rétracté mon casque. Mais bon, c'est trop fort, hein, voilà, ça c'est les aléas pendant le tournage. Voilà, on est à 10 minutes de vidéo, c'est cool. On va continuer sur cette mine là. Et comme ça, on aura terminé ce secteur. Il sera complètement indépendant. Et on aura fait ça en moins d'un quart d'heure. Ce qui est cool. Donnez-moi le scorpion. Je vais m'amuser. Non, le scorpion, j'ai dit. Le scorpion, merci. Non, rends-moi la souris. Rends-moi la souris. Oh non, tu vas pas commencer à déconner sur la souris. On a perdu 10% de progrès sur la mine. Pas bon signe, mais bon. On a les archers là-bas, mais... Oh zut, il a détruit mon scorpion. Bon, ça fait rien. Oui, parce que les scorpions peuvent être détruits. Enfin, ça, vous l'aviez certainement vu pendant le champ de bataille. Voilà. On en est au 92%. Allez, là, il y a une vague qui arrive. 99%. Allez, hop. Et ben voilà. Elle est au max là, je crois. Oui, voilà. Il reste plus qu'à réduire la menace. Elle est actuellement à 3%, donc ouais, elle est à 60%. On va la diminuer un petit peu. On la laisse courir. On va la laisser courir. On va plutôt di diminuer la menace ici. Et pour diminuer la menace, on va améliorer la tour. On va laisser la menace diminuer naturellement. Et normalement, à la fin de cet épisode, on devrait avoir masse. C'est une défense de zone ici. En bas, les gars, en bas. Le troll, les mecs, le troll! Oh là 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 là. Bon. J'ai pris un mauvais coup, je l'ai vu. C'est bon, allez. On détruit les derniers ennemis. Nickel. Bon, la menace a un petit peu diminué ici. Ici, elle est à ici, elle est près de terminer. Ici, on pourrait terminer la mine. On va terminer la tour ici, comme ça. Ah oui, on va attendre. Avant de terminer la tour ici, on va attendre parce que justement, la dernière tour, la dernière partie de tour, c'est ça qui va débloquer la fin du jeu.
On va attendre, on va. Un peu de suspense, hein, c'est trop rien. On va plutôt améliorer cette mine ici. On va laisser donc le. Ouais, la menace diminuer naturellement ici. Et on va terminer la mine ici. Donc, y a deux défenses de zone ici. Ouh, oui, je veux ça, je veux. Je suis accro au scorpion. Ça va, la menace n'étant pas réellement élevée, voilà, on a juste un petit troll qui va pas faire long feu. Il en faut des carreaux de. Je sais pas si ça s'appelle des carreaux comme des carreaux d'arbalète, mais. Ouh là, là, il y a du monde quand même. Démolissez-moi le troll derrière les mecs. Quelque chose? Non, allez. Hop. Ce coup-ci, le scorpion, il a survécu. Ah, seulement 1200 par contre. Ouais, bah évidemment, vu que la menace n'est pas très élevée, on gagne pas très beaucoup d'argent non plus. Hein, Ah, ça m'ennuie ça. Et ici, il faut que la menace elle diminue. Hein. Si je veux améliorer la mine après. Eh ben, tant pis. La foire. Allez, hop. On va faire une défense de cité. Oh, y a les mecs qui vont faire une descente dans la cité. Avec les mecs du 92, du 93, du 94 et du 96. Et les dom-toms. Ouais, 96 ça existe pas, ça fait déjà 100 moins. Putain, mais ils sortent d'où les mecs? Bon bah ils ont déjà bousillé la porte, hein. Comme ça c'est réglé. Par contre, y'en a aucun qui est passé. Normal. Ah si, il y a dû y en avoir un qui est passé, je suis à 99%, mais bon. Ok. On va pouvoir terminer cette mine. Ici j'ai. J'aime pas trop les catapultes. Ça a pas un bon. Comment, une bonne cadence de tir. Les scorpions, ils ont une cadence de tir assez modérée, donc ça va encore. Mais sinon. Non, reviens là, toi. Oh, enfoiré. Bon, les laisser passer, c'est pas trop grave, hein. C'est juste. Mais par où ils passent, les mecs? Oh la vache, je
je me prends le tonneau en pleine tronche, tout va bien. C'est bon. Vous savez quoi? Je vais laisser mes gars se démerder avec ça. Et tant que l'ennemi s'approche pas. Voilà. Avec l'ogre qui est pas content à la fin, mais ça fait rien. Oui, donc j'utilise une autre technique pour la synchronisation de mes vidéos. Ça marche très bien. Ça consiste en fait à dire top juste au moment avant que j'appuie sur le bouton d'enregistrement. Comme ça, en fait, et ben. Dans Audacity, je n'ai qu'à supprimer le moment au départ jusqu'au moment où je dis top, et puis là, bah, voilà quoi, c'est synchronisé. C'est beaucoup plus rapide que la technique Bob Lennon en fait. Bon, je sais qu'il regarde pas mes vidéos, mais. Vu le nombre de vues que je fais en ce moment, là, il y a quelque chose là. Là, ça, je veux ça. Les mecs là, c'est. Bon, où tu te crois là? Tu t'es cru à la fin, à la au puits du fou quoi. Allez. Ah, parce que c'est assez médiéval l'ambiance du puits du fou, c'est pour ça. Oh là 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 là, les mecs. Protégez la barricade les gars. Là, je peux rien faire, les mecs. Hein. Moi, je m'occupe déjà de ce côté-là, c'est déjà pas mal. Bon, allez, ok. J'ai saisi le principe. Allez. Cool. Bon. Bon, on continue. Ok, là on s'est attaqué et la menace elle est trop élevée pour que je laisse faire. Donc on y va. Et là c'est vraiment trop élevé, si jamais je laisse la menace augmenter, ils vont reprendre le contrôle du quartier et ça va être super chaud à rectifier. Oula, il y a des trucs là, ouais. S'il y a de l'ennemi. Ok. J'utilise les. J'appuie sur la touche 3 à fond, hein, évidemment. Pour essayer de sauver la porte, mais là, à mon avis, la porte elle prend cher. Là, ça passe, ça passe. Il y a des gens qui. Il y a des monstres qui passent. Mais relativement peu. Donc c'est encore tolérable. Allez. Bon, c'était le dernier. Un 96% seulement. Ah, c'est. Bon, ça fait rien. On a défendu la zone, c'est ce qui compte. Ici, ça
expliquer du mieux la menace ici. Allez, hop. La mine. Ok. Oula, méchant, méchant, méchant. C'est. Et puis faut pas trop que je m'approche des tonneaux non plus si je peux me faire défoncer entre deux. Bah il y a du troll hein. Attends, on se croirait sur Facebook. Oui, je sais, cette blague était nulle. Attendez, juste pour le troll, justement. Voilà. Parce que j'avais pas confiance en ces trucs-là. Bon, on a une demi-heure de vidéo, puis on est en train d'arriver à la fin. Et à l'occasion, bah, à la fin de cette session, j'aurai libéré les trois zones. Donc, on va déjà libérer ces deux-là, pour être peinard. Celle-là, elle est à combien? Elle est à 32, celle-là est à 39. Attendez que je calcule. Ouais, allez, on va d'abord. Que je dis pas de bêtises. Elle est à moins 3 par jour. Et si je fais ça? À moins 3 par jour. Ouais, normalement, 3 ou 4 tours, en 3 ou 4 tours, ces deux-là sont libérés. Donc, faut que je fasse laquelle en premier? Je vais faire celle-là en premier. Comme ça, le jour d'après, ben, elle sera libérée. Pendant que moi, je vais aller à la foire de l'autre côté. Ah oui, c'est ce truc-là, c'est ce truc-là sympa. Oh non, je suis pas monté en fait. Je sais pas pourquoi, il a pas considéré que je montais. Voilà, là je suis dessus là. Oh bah là on va laisser les monstres faire. Oh bah ici. Ici y a pas grand chose. Pas évident en fait depuis la tour. Hop, ouais. Il y a 40 ennemis, on va se faire ça relativement simplement. Me permettre de prendre un petit peu de dégâts. Ok, lui là-bas qui est tout seul. Hop, voilà. Ouais, allez, viens avec moi, mec. Ouais, je viens te sauver la vie. Mais tu fais chier quand même, mec. Bizarre, on est à 32% de menace et il n'y a pas de troll.
Bon, on a de la chance. Voilà, comme ça on va tomber à 2% de menace. Ah bah non, mais c'est bon en fait, on l'a. Bon bah, hop. Ici la foire. Bon. On est où nous? Ouais, ok. Carnage. Oh bah là, je peux nettoyer devant la porte, donc je sais pas pourquoi. Là, le curseur, je peux le mettre vachement près de la porte. Alors qu'habituellement je peux pas vraiment. Certainement un petit bug du jeu, je sais pas trop. Alors, ici. Ici on est à 18%. Je diminue 3 par jour. Ouais. On va réduire la menace ici avant. Ah ouais, ici la menace augmente, je l'avais pas vu. On va réduire la menace ici avant tout. Avant toute chose, je dirais. Parce qu'ici, on va avoir des trolls en plus. On va laisser le troll un peu faire son travail. Nous, on va essayer de se barrer plutôt vers le sud. Ok, allez. Toi, t'étais vraiment très con. T'étais trop con pour vivre. J'ai dû t'achever. Ok. Ça, c'est pas bon du tout. Regarde, ça c'est. On est d'accord que c'est le troll que j'ai contaminé, ça. Hein. Oh oui, bon, il est presque mort. Hop. Ouais, par contre, moi, faut que je régène aussi. Bon, crochetage 3. Faut vraiment que je le débloque le crochetage. Hein. Parce qu'à mon avis, on a moyen de gagner un petit peu d'argent quand même. Bon, il reste 7 ennemis. Pas 7 et demi, hein, mais 7 ennemis. Et pas 7 ennemis non plus tout seul. Ah, c'est chiant la langue française en fait. Bon. Bon, on en est où ici? 15%. Alors, ici, je peux me refaire encore une fois la foire. Hein. Pas tranquille.
Je fais un peu durer le suspense, hein. Je vous le cacherai pas. Je dirai un peu le plaisir. Avant de bâtir la dernière tour. Il est où le troll? J'ai entendu la corne d'un troll, mais il y a une corne à qui. Ah d'accord, il est là-bas. Et voilà le travail. Et là, on va le laisser un petit peu faire son travail, justement. Là, on va se barrer au sud. Même technique que précédemment. Et tant qu'il débarque pas ici, de toute façon. J'étais coincé. J'ai été coincé. Mort au combat. Ouais. Ah, c'est dommage. Je devrais peut-être le laisser faire le troll. Me mettre dans un coin et le laisser faire tant qu'il meurt pas en fait, tant qu'il disparaît pas du radar. Moi là je me mets vachement sur la défensive là, mais il faut vraiment que je régène. Si je pouvais isoler le troll. Voilà. Un mec isolé, je vais essayer de me le faire, mais. C'est bon. Oula, oula. Courez, courez. Oh, ce carnage. Ce carnage que je viens de faire. Je voulais juste voir. Ah, le troll il est là. Ouais, il a pas l'air d'avoir fait tant de dégâts que ça. Ah, si, là. Si, si, là, il a quand même fait du dégât, apparemment. Bon. C'est génial. Allez, on va libérer cette zone. Il n'y a pas grand chose. Est-ce qu'on se la fait en attaque de la tour ou en. Oh, je préfère en foire quand même parce que l'attaque de la tour c'est chiant. Enfin, on peut difficilement perdre, mais.
là 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 là. Faut pas que je me laisse encercler. Faut pas que je me laisse encercler. Je vais claquer, je vais claquer. Ah, les archers, ils sont chiants hein, du camp adverse. Allez, hop, t'es le dernier. Ah non. Ils sont là-bas. Oh, il restait des zombards. Ok, d'accord. Je les avais pas vus. Bon, 2000 de plus. On va faire un petit point sur l'équipement. Je sais pas où est le dernier maître. Le dernier maître d'armes, c'est vrai que c'est lui qu'il me manque. Ça m'embête. Ça m'embête de terminer le jeu sans avoir le dernier maître d'armes. Ça, on va le développer ça. Ça, on va le développer. Ça serait sympa plus tard. Petite 3. Endurance maximum. Et ça peut toujours être sympa. C'est quand on sera au corps à corps. Le crochetage, j'avais dit qu'on le développerait. Qu'est-ce qui manque? Il y a ça c'est super sympa contre les trolls. Autant s'en servir. Voilà, je viens de ruiner tout mon pognon. Et il manque juste le dernier maître. Et je l'ai raté. Et je sais pas où il est. Il est dans un des trois derniers quartiers, mais. Moi, je vous propose, c'est qu'on aille le chercher juste avant de finir le jeu, quoi. Ici, la menace augmente, mais ce n'est pas un problème. On va faire ça. On va se faire une toute petite promenade. Dans les deux quartiers. Donc on va essayer dans ce quartier-là. Normalement, il est pas dans ce quartier-là. Il peut pas être dans ce quartier-là. Alors, la taverne, vous voyez, elle est en blanche. Elle est ici, la taverne. Donc apparemment, faut aller à la tour. C'est ça, hein. Ouais. Il faut passer par la tour pour trouver être là. De toute façon, il est forcément sur la même map que là où on trouve la taverne. Voilà. Et on peut quitter le quartier à tout moment, hein. Donc là, il n'y a pas d'ennemis, il n'y a rien. On va juste voir s'il y a. Ah si, il y a quelques ennemis. Bon. Ah oui, ça dépend du niveau de menace. Bon. Il y a quelques ennemis, mais c'est pas un objectif de les buter. Là, notre objectif, ça va être de trouver le maître d'armes, quoi. J'ai perdu mes instruments de musique. Non, attends, on s'en fout de ta gueule. Putain. C'est pas toi qu'on veut. Pas l'air d'être là. Hein. Je vois pas de point vert. Il y a des trucs à fouiller ici à la taverne, mais. C'est des points bleus qui représentent des cachettes. On va aller tout là-bas pour voir, mais. Non, non, les seuls points verts qu'il y a, c'est ça. Il n'y a pas d'autres points verts. C'est les points bleus. Les points bleus, on va les effacer à la limite si vous voulez pour qu'on fasse bien la différence, mais. Là-bas, il y a encore un point bleu.
point bleu, il est de l'autre côté de la muraille, et il y a un point bleu ici. Il y a un point bleu visiblement ici, ouais, c'est ça. Voilà, bon. En ayant éliminé la plupart des points bleus, il en reste un seul qui est juste derrière la muraille. Là, ici, il est bien bleu, c'est bien bleu. Et là-bas, il y a les points verts. Donc, il n'est pas ici. Il ne peut pas être ici. Ça, affaire réglée. Ok, on va faire l'autre zone. Donc, la taverne, elle est en bas. Ok, donc elle est ici, la taverne. Et alors, il faut passer visiblement par la mine. C'est ça, hein? La taverne est là et la mine est là. Ok. Donc, on va se balader au niveau de la mine. Ok, alors le scanner, on va attendre qu'il s'initialise. Voilà, alors des points verts. Pour le moment, fait surprenant, j'en vois pas. On va se promener un petit peu sur la map, même si, voilà, ça c'est fait. Rien. Ici, il y a des points violets, mais c'est pas ce qu'on cherche. Les points violets, si je dis pas de bêtises, ça symbolise des portes, mais ici on va trouver le quartier extérieur. Ici, on a la mine. Me faut épée pour ça. Voilà. Toi, t'es mort. Alors, donc ici c'est la taverne en question. Donc non, c'était pas le quartier extérieur. J'ai dit une bêtise à l'instant. Le quartier extérieur se trouve également ici. Mais bon. Non, 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 non. Il est pas là. Il est pas là. Il est pas non plus dans la troisième zone, visiblement. Il est pas caché dans la mine, enfin. Il est pas caché ici. Non, non, y a rien. Y a rien, y a rien. Y a pas de point vert ici. Ici. Donc, il n'y a pas de maître d'armes ici. Ok. On va laisser la menace réaugmenter. On terminera l'épisode prochain. Je veux vraiment trouver le dernier maître d'armes. Bon, ils sont pas dans ces... il n'est pas dans ces deux quartiers-là. Il peut être dans le dernier, mais là pour le moment il est en attaque. Je vais pas y retourner. Je vais aller dans cette zone-là. Excusez-moi. Donc la taverne est ici. Et là par contre, il faut que je me balade dans le faubourg pour ça. Ah, peut-être, peut-être. Il est peut-être ici. Faut peut-être se balader dans le faubourg. Je vais attendre que mon radar s'active. Là-bas, il y a deux points verts. Minuscules. Là-bas, il y a un autre point vert. On va aller vers le point vert isolé. Donc pour cela, il y a un petit peu d'ennemis. Des zombies, c'est pas bien. Oula, ça j'aime pas.
ça c'est un civil. Le civil, j'en ai rien à carrer. Ici, j'ai deux soldats. Ok, ici j'ai un entrepôt. Ici, j'ai un civil. Il me reste un dernier point là-bas. Non, ce sont les points là-bas. Il me reste deux points au nord là-bas. C'est quoi ces deux points au nord? Oui, il est là. Oh, il est là, j'y crois pas. Bon, et ben on va juste le ramener alors. Donc on doit l'amener à la taverne. Et la taverne, elle est au sud, hein, j'ai dit. On va juste, ouais, vérifier qu'il nous accompagne bien. Donc, la taverne, elle est là. Hein. Ouais, c'est ça. Oh, non. Voilà, merci de ton aide, c'est bon. Juste attendre qu'il rentre pour bien valider, parce que parfois ça déconne. Voilà, c'est nickel. Et là, on rentre. Et ben on a le dernier maître. Et ben voilà, il se planquait juste dans le faubourg du quartier du milieu, en fait. Il était juste là. Donc on pouvait débloquer tous les maîtres ici. Bon, bah vous le saurez. Et voilà. Et là. Voilà, donc là, il nous reste à débloquer. Alors oui, le dernier achievement, ce sont les pièges. Donc on va débloquer les pièges, justement. On va les mettre au max pour qu'ils fassent un... Ah, il manque de l'or. Eh ben, on fera le dernier achievement à l'épisode prochain. Et comme ça, on pourra avoir le maître de guerre et on sera vraiment bien équipé pour terminer la dernière mission, mais qui n'est pas très très compliquée, hein. C'est juste une dernière défense de zone. Mais ici, on va réduire la menace et on terminera de protéger cette zone. Voilà. Et bien écoutez, sur ce, j'espère que cet épisode vous a plu. Je vous mets le couac et moi personnellement, je reprendrai demain. Et je vous dis à bientôt!